les gestes sont longs. Il n'en a pas un rapide. Okay, il a une pédale à faire, c'est comme si vous avez pris le poids, vous avez levé la jambe, vous allez jusqu'à là, vous avez descendu, puis revenu. Okay, qu'il soit tout dans cette temporalité. Ne changez aucun moment cette temporalité. Au départ, pensez que quand même ça va durer, quoi. C'est ça qui est la question. Et qu'au départ, ça soit très fragile, que les premières personnes qui s'installent soient intimidées, quasi, à vous trouver leur place par rapport à vous. Et peu à peu, il y a un tout petit peu plus. Et le pitch de basse va donner l'enchaînement. Une scène énervée, c'est un spectacle qu'on monte avec la collectif Warning depuis déjà maintenant 2 ans. C'est basé sur un texte d'Erasme, l'éloge de la folie, qu'on avait choisi comme point de départ parce qu'il avait dans ce projet une demande particulière du collectif qui était de travailler avec la musique improvisée et la musique écrite, qui est leur croisement. Et je pensais que le sujet de la folie, il allait très bien avec cette question, puisqu'il touche à la question de la liberté, au fond. Alors le spectacle s'est construit à partir de cette lecture du texte en essayant d'insérer la question qui était demandée dans la commande, on va dire comme ça, le croisement entre musique écrite et musique improvisée, qui est un peu la particularité aussi du collectif. C'est, et ça c'est présent dans ma musique, il a une quête de l'humour en fait, en bas. Pas l'humour, bien sûr, l'humour facile ou la blague, vraiment, mais cette déconstruction du sérieux, c'est-à-dire dans laquelle on peut mettre la situation du sérieux, mais on est un peu fragilisé, soit par la situation comme les musiciens sont présentés, soit par la musique elle-même, soit pour comment on est nous-mêmes par rapport à la musique. Alors, je pense que dans Issa Nenavis en particulier, il a cette notion de la folie, de l'humour de la folie qu'il peut avoir. Pas le fou maladif, j'insiste, mais cette joie qu'il y a dans la folie et qu'il y a dans le texte d'Erasme, qui commence lui-même avec cette phrase qui est très belle, qui est la folie qui s'adresse au public, qui dit « Sentez, regardez, dès que je suis arrivé, la joie s'est répandue sur vos visages. » Et Issa Nenavis a un peu cette idée de travailler avec cette situation dès le départ. Je pense que c'est un peu son point de départ.